Bonjour, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons encore notre série dans le sanctuaire. Comme je vous l'ai déjà dit et répété, c'est une série qui est longue. Aujourd'hui, nous sommes sur notre 46e étude. Mais nous allons bientôt terminer la partie, la partie littérale. Et je veux croire que vous avez pris goût à étudier cette partie. Nous allons nous arrêter sur une particularité de sacrifice. La vache rousse. Elle est d'actualité aujourd'hui, mais nous allons voir ce que la Bible nous en dit. Avant de commencer, je vous invite à prier. Prions. Notre Seigneur, notre Père, nous voulons vraiment te remercier pour tes multiples bénédictions et pour toute la lumière que tu envoies sur ce système que tu as voulu sur le sanctuaire. Béni sois-tu. Et alors que nous allons encore étudier un point important, que toi-même, tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions comprendre ce que tu veux pour nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Dans notre étude du jour, nous allons nous arrêter sur un sujet peut-être pas tout à fait connu, la vache rousse. La vache rousse fait partie des sacrifices obligatoires. Nous avons vu les sacrifices volontaires et les sacrifices obligatoires. Et nous allons zoomer sur cette, euh, ce sujet, cette étude qui, en 2024, a fait sujet d'actualité ou encore fait sujet d'actualité. Hélène nous dit, il était autrefois recommandé aux Israélites de faire une offrande pour tout le peuple afin de le purifier de la souillure. Cérémoniel. Le sacrifice consistait à immoler une vache rousse et où on présentait l'offrande la plus parfaite, pouvant racheter de la souillure du péché. C'était un sacrifice occasionnel pour tous ceux qui naturellement ou accidentellement avaient touché un mort. Tous ceux donc qui avaient été en contact avec un mort d'une manière ou d'une autre étaient considérés comme impurs. Cette scène devait faire une forte impression sur l'esprit des Hébreux en leur montrant que la mort est le résultat du péché et par conséquent le représente. Une seule vache, une seule arche, un seul serpent d'airain désignait la seule et grande offrande, le sacrifice du Christ. Dans cette étude, nous allons voir à quel moment on a eu besoin. D'utiliser la vache les caractéristiques, mais évidemment et également les lois qui s'y rapportent. Alors ensemble dans Nombre chapitre 19, c'est le texte qui nous en parle le plus de cette histoire. Nombre chapitre 19, au verset 1, nous lisons L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant Parle aux enfants d'Israël, et qui t'amène une vache. Donc, on a mis les strong, vous les voyez, une vache, 0,7510, mais une vache, là, elle est particulière. D'habitude, on, on ne nous dit pas d'informations sur la couleur. Mais là, elle doit être rousse, mais elle doit également être sans tâche, 0,8549, qu'est-ce que cela veut dire Mais également sans défaut, sans défaut corporel, sans défaut tout simplement. Et qui n'est point porté le jour vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Donc beaucoup de choses. Si nous allons dans la version King James, nous avons quelques nuances. Il est dit, et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, c'est ici l'ordonnance de la loi que le Seigneur a donnée en disant, parle aux enfants d'Israël, qu'ils t'apportent une génisse rousse sans tache, qui n'a aucun défaut, sur laquelle il n'y a jamais eu de joue. Et vous la donnerez au prêtre Léazar afin qu'il la fasse sortir hors du camp. Et on la tuera devant sa face. Alors nous allons regarder par rapport au Strong, la vache rousse. Donc une vache, c'est une génisse. Donc dans une version, c'était dite vache, dans une autre génisse. Ce n'est rien d'autre. Et rousse, c'est la couleur roux. Cela vous fait penser tout de suite à Esaü. La couleur rouge. Rouge, roux, vermeil. Donc c'est une couleur. C'est une vache qui est, euh, qui est rousse. Alors, on nous avait donné comme information qu'elle devait être sans tache. Ou encore, également sans défaut. Alors, on va s'arrêter sur la notion de sans défaut. Allons dans l'hévétique 22, verset 21, qu'est-ce qu'il est dit On va lire dans deux versions différentes. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, qu'on a déjà vu, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut. Donc 0,8549, « a fait qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut, pourtant c'est une autre strong. 039-71. Dans la King James, il est dit, et quiconque offrira un sacrifice de prospérité à l'Éternel pour accomplir son vœu, ou une offrande volontaire de bœuf ou de mouton, il sera parfait pour être accepté, et il n'y aura aucun défaut là-dedans. Donc la King James va nous donner cette notion de perfection. Lui, second, va nous dire qu'il sera sans défaut il nous dit qu'il sera parfait. Aucun défaut là-dedans. Alors regardons sans tâche et sans défaut. Là euh, tout à l'heure, on a vu que aussi bien pour sans défaut, il a été utilisé deux même deux strong. Regardons la 08549. Qu'est-ce qu'il est dit C'est c'est pas vraiment sans tâche, hein, mais c'est parfait. Comme la King James l'a traduit, c'est intègre. Donc est est ce n'est pas est-ce que qu'elle est juste marron et qu'il n'y a pas une tache dedans, c'est est-ce que l'animal est parfait, entière, sans tache, entièrement parfait, presque tout, et sans défaut, sans défaut c'est autre chose, c'est sans une blessure, euh, sans une souillure. Là, on va mettre une notion de tâche, d'effectuosité, un défaut physique. Donc, il fallait que l'animal soit complètement parfait et qu'il n'y ait absolument rien de, de mal dans, de, dans son physique. Pour bien comprendre ceci, Allons dans Genèse 30, verset 32. Nous nous souvenons de cette histoire de Jacob. Jacob, avec ses brebis, et il y avait des brebis qui étaient marquetées, ou encore des brebis qui étaient tachetées. Et on verra que ce n'est pas la même strong. Exemple, la notion de tacheté, c'est 05348. Il est dit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout un lieu tacheté, 05348, et marqueté, 029-21. Et tout agneau noir et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté, de toujours la notion de 02921 est acheté 053-49. Quand nous regardons ce texte, nous pouvons avoir deux compréhensions différentes. Nous n'allons pas vraiment étudier cette différence. On peut comprendre que c'est la couleur, la couleur rousse, toute la vache était rousse. Ou encore, on peut voir dans le côté sans défaut de la vache. Et où il y a une double répétition, qu'il ne devait pas y avoir de défaut. Donc, on pourrait prendre aussi bien qu'elle était complètement rousse et sans défaut. Ou encore rousse mais avoir une couleur. Par contre, il faut vraiment préciser que pour les juifs d'aujourd'hui, elle devait être complètement rousse, mais ce n'est pas un problème. Continuons. Alors, regardons la notion de sans défaut corporel. Allons dans Lévétique 22, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mal sans défaut. Parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Donc, on a déjà beaucoup insisté sur les sacrifices, que le sacrifice devait être sans défaut. Donc, la vache rousse, elle rentre dans le même, euh, dans le même cahier des charges, on pourrait noter, c'est sans défaut. On pourrait ajouter complètement toute rousse, mais elle devrait être sans défaut. Verset 22, il est dit, vous n'en offrirez point qui soit aveugle, ou bien encore estropié, ou mutilé, que les des ulcères, la gale, ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement de vœu. Vous n'offrirez point à l'éternel un animal dont les testicules ont été froissés. Écrasé, arraché ou coupé, vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Donc c'était vraiment très clair sur les caractéristiques de l'animal. Si nous revenons sur le texte qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes dans Nombreux chapitre 19, verset 1, on l'a déjà lu, on va relire encore. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, pas aux enfants d'Israël, et qu'il m'amène une vache rousse, sans tache donc, on pourrait se dire, toute rousse, unie, sans défaut corporel, aucun problème sur l'animal, mais en plus de cela, qu'il n'est point porté le jour. Donc, on va s'arrêter dessus. Donc, ici, nous voyons la 05927 qui veut dire monter, élever et jouer, une contrainte, domination. Donc on comprend, ne pas porter le joug, c'est l'animal qui n'a pas servi, c'est un animal qui n'a pas encore travaillé, sur lequel on n'a pas mis une certaine contrainte, une certaine domination. Alors dans 1 Samuel 6, verset 7, tout de suite, cela, cette histoire nous fait écho avec l'histoire des Philistins. Je vous invite à aller regarder ensemble avec moi dans 1 Samuel 6, verset 7. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaient. Et qui n'est point porté le jour, la même chose. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. C'est une histoire qu'on a déjà vue, et ici je voudrais m'arrêter sous cette notion qui n'est point portée le jour. Donc l'animal, la vache rousse, cette vache qui devait être sans défaut sans défaut corporel, devait être tué hors du camp. Donc il n'était pas tué ni dans le parvis, ni dans le campement, mais en dehors du campement. Mais nous l'avons déjà vu pour d'autres animaux. Alors ensemble, dans Lévitique 4, verset 12, il est dit, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans le lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur le bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Verset 21. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau, c'est sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Donc cette notion de hors du camp, il devait avoir un endroit spécifique, précis, où il le faisait. Dans le 16, verset 27, il est dit, on emportera hors du camp le taureau expiatoire. Donc il n'est pas question de la vache rose, hein. c'est un autre animal. Là, c'est le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on apportait le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Donc ici, nous sommes dans Lévitique chapitre 16. Vous vous souvenez, c'est le Yom Kippou. C'est le, euh, le jour du grand pardon. Alors, revenons encore dans notre texte dans Nombre chapitre 19, nous sommes au verset 4. C'est une action qui ne va pas être faite par le grand sacrificateur à la personne d'Aaron, mais par son fils. Aaron n'est pas encore décédé. Il est dit, le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Et c'est la première fois qu'on va avoir cette notion de faire l'aspersion devant l'attente d'assignation on avait déjà vu qu'on a fait l'aspersion pour, euh, pour l'animal d'expiation mais c'est devant le voile qui est devant le tabernacle devant l'argent donc le voile qui est entre le lieu saint et le lieu très saint ici nous sommes devant la porte ou bien devant le rideau plus précisément qui est entre le parvis et le lieu saint et là, on va faire cette fois, comme pour l'expiation, mais qui se faisait aller à l'intérieur, du sang de la vache rousse. Et Lenouette va nous dire que cette vache devait être rousse, symbole du sang. Elle devait être sans défaut et ne jamais avoir porté le jour. C'est ce qu'on a vu. La vache rousse était conduite hors du camp et immolée de la manière la plus solennelle. La vache rousse ayant été immolée, le prêtre revêtu de ses vêtements blancs prenait le sang de la victime avec le doigt et en faisait cette fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Alors, cette notion de devant la tente d'assignation, nous le voyons dans Exode 29, verset 10 ou dans Lévitique 3, verset 8, qu'on a déjà vu dans cette série. Et nous avons cette notion que de faire l'aspiration pendant sept fois, nous l'avons vu dans Lévitique 4, hein, quand on a fait pour le sacrifice d'expiation, il trempera son doigt dans le sang et il fera sept fois l'aspiration devant lui en face du voile, si c'est le sacrificateur qui a péché. Au verset 17, si c'est le peuple qui avait péché, il devait faire la même chose, tremper son doigt dans le sang et faire sept fois l'aspiration devant l'éternel en face du voile là nous sommes dans le lieu saint et pour la vache rousse également sept fois mais là nous sommes dans le parvis nous continuons vers ces cinq on brûlera la vache sous ses yeux donc les yeux du sacrificateur on brûlera sa peau sa chair et son sang avec ses excréments le sacrificateur prendra du bois de cèdre de l'hysope et du cramoisi il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Donc il y a un mélange d'arbres, de branches qui sont emmenées avec cet animal. Lévitique 14, verset 1, si on veut avoir un peu plus d'informations, il est dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur, le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, donc deux oiseaux vivants et purs, mais du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isop. Donc on voit cette notion de purification, sachant que là, pour la vache rousse, il est question. Également d'une purification. C'est quelqu'un qui a touché un mort. On le verra encore plus en détail. Le sacrificateur on donnera qu'on égorge le des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Et les va vont nous dire que le corps de la vache rousse est ensuite réduit en cendres. Donc, il n'est pas consommé. Hein. Ce qui indique un sacrifice total. Les cendres recueillies par une personne non souillée au contact de mort, était placée dans un vase contenant de l'eau vive. Donc, euh, vous imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion euh, de mettre, d'utiliser une cheminée, d'accord Et vous allez emmener beaucoup de bois et vous allez récupérer la cendre. Vous n'allez pas récupérer euh, une tonne de cendre. D'accord Vous allez récupérer peut-être... Au plus fort, un kilo, je ne sais pas. mais pas. Je veux vous dire que même si c'est une vache rousse, bon, on sait que c'est une génisse, euh, mais la quantité de sang n'est pas énorme. Cette personne, elle continue en nous disant cette personne prenait un bâton de cèdre avec une étoffe écarlate et un bouquet d'isop et aspergeait le contenu du vase sur la tente et le peuple rassemblé. La cérémonie se répétait plusieurs fois afin d'être complète et avait pour but de purifier du péché. Donc, elle va vraiment nous donner une notion. On va reprendre la lecture. Elle nous dit que cette personne prenait un bâton de cèdre et avec une étoffe écarlate et un bouquet d'isop, cèdre grisop, et va l'asperger, asperger le contenu du vase sur la tente et le peuple rassemblé. Au verset 17, il est dit Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Ce n'est pas dans l'eau expiatoire, dans de l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, donc cette cendre est hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël. Afin d'en faire, l'eau de purification, c'est une eau expiatoire. Donc, chaque fois qu'on va voir la notion d'eau expiatoire dans la Bible, c'est quoi? C'est de l'eau qui a été mélangée avec la cendre de la vache rousse. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusque soi. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Verset 11. Alors, on va essayer de voir comment on a quelqu'un été utilisé cette cendre. Celui qui touchera un mort, donc euh, en contact avec un mort, ou bien un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. Donc, il euh, y a quelqu'un qui est mort devant soi. La personne doit toucher ce mort, la personne devient impure. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour. Et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Donc il faut vraiment comprendre que l'eau expiatoire, c'est pour euh, un contact avec un mort. C'est pas juste ainsi. Verset 13, celui qui touchera un mort. Le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas sous le tabernacle de l'Éternel. Donc c'est pour cela qu'il fallait, alors qu'on était impur, c'est vrai qu'on allait offrir un sacrifice, mais il fallait également utiliser l'eau expiatoire. Celui-ci sera retranché d'Israël si on ne faisait pas ce qu'il fallait. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sous lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Donc, pour un mort, verset 14, voilà la loi de la vache rousse. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, OK, nous sommes dans une maison, dans une tente, il y a quelqu'un qui est mort, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur, comme s'il avait touché le mort, le simple fait d'être en présence. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des orsements humains ou un sépulcre sera impur pendant sept jours. Donc vous vous rendez compte dans les, dans, parmi les enfants d'Israël, si quelqu'un si quelqu était mort dans une tente, donc toute cette tente était impure. D'accord Mais si on travaillait dans les champs et qu'il y avait quelqu'un qui avait été tué par l'épée ou bien enfin, quelqu'un qui est mort, ou bien simplement qu'on a trouvé des ossements, même pas, on n'a même pas vu mourir là. Donc, euh, il y a, exemple, prenons le cas, il y a une plaie, il y a dix mille personnes qui meurent, mais tu deviens impur. Ou des ossements humains, ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. Verset 17, on prendra pour celui qui est impur de la sang de la victime expiatoire qui a été brûlée, la vache rousse. Et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sous la tente, sous tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sous celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sous celui qui est impur, le troisième jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements. « Il se lavera dans l'eau le soir, et le soir il sera pur. » Donc c'est vraiment la proximité ou en contact, ou bien après euh, un toucher avec un mort. Verset 20. « Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire. » Donc c'était vraiment quelque chose de très, 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 euh, à prendre vraiment très euh, au sérieux, parce que sinon on était expulsé du camp, et on était, on était banni. Hein. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sous lui, il est impur. Parce que sinon cette impureté allait être emmenée dans le sanctuaire, comme on l'a déjà vu. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Donc on ne pouvait pas se dire que aujourd'hui je le fais et dans cinq ans je ne le fais pas. À moins d'être dans une désobéissance. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements. Et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé et la personne qui le touchera sera impure jusque soir. Donc, vraiment euh, des, des consignes assez strictes, comme Hélène White nous a dit que cette notion de vache c'était vraiment à prendre au sérieux et à ramener, amener au niveau du peuple euh, cette notion d'impureté. Alors, c'est une histoire. La vache rousse, on sait que éléazar fonction du traduction, a, a, a tué cette vache, parce qu'on la trouve dans le texte qu'on vient de lire, dans Nombre, chapitre 19. Mais si nous regardons sur Wikipédia et dans beaucoup de sites juifs, on va nous dire que la vache rousse, il n'y a eu dans toute l'histoire des enfants d'Israël que neuf vaches rousses qui ont été tuées. Alors, on va se dire que c'est un peu particulier, puisqu'on a vu qu'une vache ne va pas donner des tonnes de cendres, à moins qu'il n'ait pas eu beaucoup de morts dans le camp des enfants d'Israël, où ils n'ont pas été souvent en contact avec des morts. Alors, il va nous dire que la première, alors, selon, selon les ménomies, le mémonide, le mémonide nous précise qu'il y a eu dans l'histoire neuf cérémonies de la vache rousse. La première eut lieu du temps de Moïse dans le désert, le lendemain de l'inauguration du tabernacle par Éléazar. Donc ce qu'on vient de voir. Et il va nous dire que la deuxième vache, c'est durant la période du Second Temple, sous Édras. Alors les amis, on va se poser des questions. Ça veut dire que les enfants d'Israël, pour toute la durée de leur séjour dans le désert, pour tout le temps où... Ils, sont, ils ont été à Canaan. Sous le temple de Salomon, il n'y a eu qu'une vache. Il n'y a eu qu'une vache pour tout cela. Donc on va essayer de voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Combien de morts qu'il y a eu? Si nous allons dans nombre 8, Verset 6, il est dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras, fais sur eux une aspiration d'eau expiatoire. Donc, ce n'est pas que pour les morts maintenant. L'eau expiatoire devait être utilisée pour la consécration des Lévites. Donc maintenant, il faudra mettre sous les Lévites et sur les personnes qui sont en contact de mort. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de Lévites. On va voir. Dans nombre 31, verset 1. Vous vous souvenez de cette histoire où Dieu va demander à Moïse de se venger des Madianites? Et il va dire à Moïse, après quoi, tu pourras t'endormir? Et au verset 6, il nous dit qu'il va envoyer une armée de 1000 personnes par tribu, donc 12 tribus, 12 000 personnes. D'accord? Et avec eux, les filles, avec eux, il y aura Phineas, le fils d'Éléazar. Et il va demander, maintenant, de tuer tout mal parmi les enfants d'Israël, parmi, les enfants d'Israël, excusez-moi, de tuer tout mal, donc ils vont à la guerre, ils vont tuer tout le monde. Donc, est-ce qu'ils sont en contact avec le mort? Oui. Et ils vont tuer toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, parce que, euh, pour faire court, ils sont revenus avec euh, des femmes, avec des enfants, et Moïse va les interpeller en disant non, c'est pas ce qui devait être fait. Et donc maintenant, ils vont tuer. Donc, combien de personnes qui ont été au contact des morts donc, Déjà, les sacrificateurs, il fallait les purifier avec l'eau expiatoire. Maintenant, il y a peut-être au moins, on va se dire il n'y a pas eu 12 000, mais il y a peut-être 1000 personnes qui étaient au contact de morts. Donc, il faut les purifier. Une seule vache. La cendre d'une seule vache. On continue. Dans le nombre 31, verset 19, et après, dans, dans cette histoire, il continue, il dit, et vous, campez pendant sept jours hors du camp. Donc s'ils devaient camper pendant sept jours hors du camp, c'est qu'ils ont bien les pures. Or, on devait se purifier le troisième et le septième jour. Donc euh, avec, cette, petite, avec euh, cette cendre, maintenant, il faut, faire, il faut donner deux eau expiatoire pour chaque personne. Ils sont premiers à avoir touché des morts. Et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le troisième et le septième jour, eux et vos prisonniers. Vous vous souvenez comment on faisait la purification du troisième et du septième jour On l'a déjà vu. C'était avec l'eau expiatoire. D'où venait l'eau expiatoire C'était de la vache rousse. Mais s'il y a une seule vache pendant près de mille ans qu'on a tuée, comment on peut faire autant avec une vache Merci 23. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Donc, dans l'eau de purification, dans l'eau expiatoire, la cendre avec l'eau, la cendre qui était obtenue, la mort de la vache rousse. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Si nous allons dans Nombre 26, verset 63, il est question du deuxième dénombrement. Et vous vous souvenez de ce qui avait été dit dans Nombre chapitre 14 Il avait été dit que puisqu'ils ont désobéi et puisqu'ils ont refusé d'entrer en Canaan, que toute cette génération qu'on a fait, fait le dénombrement, qui était plus de 603 000, mais toute cette génération allait mourir et qu'ils n'allaient pas rentrer à Canaan. Et qu'est-ce qu'il est dit Tels sont ceux les enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Léazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Donc il y a environ... Et en dans le désert de Sinaï, d'un nombre 146, tous ceux dont fit le dénombrement furent le 603 550. Donc, comme l'enfant d'Israël qui était en contact avec 603 000 morts. Donc, il devait y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient en contact avec 603 000 morts. Comment une seule vache rousse pouvait suffire pour purifier tout ce monde Continuons dans notre analyse. Donc, on a vu qu'il fallait faire la purification des, des Lévites. Alors, on va voir que sous David, il y avait environ 38 000 lévites quand on a fait l'étude sur les lévites. Donc, il fallait purifier ces 38 000 hommes. D'accord? Parce qu'il fallait les purifier. en selon que, ce que eux, ils nous disent, selon ce qu'on a trouvé comme information, c'est qu'il n'y a eu qu'une vache rousse qui a été tuée entre éléazar et Esdras. Donc, c'est cette les cendres de cette vache rousse que Eliezer va tuer, cette cendre va, tuer, va servir pour toute l'histoire du désert, mais pour toute l'histoire de Canaan jusqu'à la déportation. Vous comprenez Parce que Esdras, c'est après la déportation. Donc, il faut compter, on est dans les années environ moins 1533, et sous Esdras, on est dans les années 500 donc environ pendant 1000 ans. On a utilisé peut-être même un peu plus, j'ai arrondi vraiment vite, pendant plus de 1000 ans, on a utilisé la cendre d'une seule vache. Or oh, Dieu avait dit que c'est quelque chose très important et qu'il devait faire continuellement. Alors regardons dans le tableau puisqu'on nous a dit qu'il y avait que neuf vaches. Et, et, et qu'est-ce qu'on nous dit C'est que la dixième vache, c'est le Messie qui va offrir cette vache. On qu'on n'a pas cette information dans la Bible. Première vache, on va nous dire que c'est Éléazar qui a offert cette vache. Et on va se dire que c'est dans les années -1634-1733. En tout cas, dans les années -1630. OK? Après, on nous dit que c'est Esdras qui va offrir une vache. Donc, Esdras, on va placer Esdras dans les années -457 avec Artas en tout cas, ce serait dans les années moins 460. On peut pas le faire monter vraiment. Donc, il y a plus de 1100, au moins, c'est pas que je grossis, c'est à 1000 ans. Donc, 1077 ans plus tard, Estras va offrir une vache. Donc, pendant plus de 1000 ans, avec des milliers, des millions de morts pour une seule vache. Après, on nous dit que la troisième vache a été offerte par Simon le Juste. Et si on regarde dans Wikipédia, Simon le Juste, il a les années moins 309, moins 265, donc là c'était sous le deuxième temple. Donc environ 148 ans plus tard, on peut peut-être le comprendre, mais comment se fait-il que lui seulement, Simon le Juste, il a eu besoin de tuer deux vaches Parce que les vaches n'étaient pas tuées au même moment. Alors que euh, Eliasin ou encore Phineas n'a pas tué euh, Eli et puis toute la suite n'ont pas eu besoin de tuer alors que la Bible nous rapporte nous rapporte le nombre de morts le nombre de consécrations qu'il y a eu vous vous souvenez vraiment les différents cas moi euh, juste à l'idée mais je pense à, à Jéricho quand ils ont pris Jéricho, ils étaient en contact avec combien de morts? Mais quand ils ont pris la Canaan et qu'il fallait tuer tous ces peuples, mais ils ont en contact avec combien de morts? Mais David, David, l'homme sanguinéen, celui qui tuait, il était en contact, lui et sa troupe ont été en contact avec combien de morts? Mais Saül, mais tous ces guerriers, ils ont été en contact avec combien de morts? Comment une seule vache pouvait suffire pour toute cette histoire? Alors, que sous Simologius, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on apprend qu'il y a eu euh, deux vaches dans de la même période. Les vaches ne sont pas tuées au même jour, hein, mais deux vaches. Alors, après, sur Jean et il y a eu deux vaches aussi qui ont été tuées, et lui, on le trouve dans les années moins, moins 134, donc environ 140 ans plus tard. Donc, on peut comprendre 147 ans pour deux vaches, 140 ans pour une vache, pour deux vaches, ça peut se comprendre. La septième vache, on va nous dire qu'elle est située à Eliachou, Eliaouni, la huitième vache, vous avez les noms, et la neuvième vache sur Ismaël, fils de Piabi. Et on, on nous place, moi j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé d'informations pour tous ces grands prêtres, hein, donc je vous laisse les chercher. Et, mais en, en tout cas, ils disent que tous ces grands prêtres ont été sous le deuxième temple. Donc, on se rend compte qu'il y a eu une vache sur la période du sanctuaire et huit vaches sur la période d'Esgras, en tout cas du second temple. C'est un peu particulier. Et depuis, donc, si on compte que le temple d'Hérode a été construit. En l'an 19, depuis l'an 19 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui 2024, il y a 2043 ans qu'on n'a plus jamais entendu parler de la vache rousse et qui est devenue actualité aujourd'hui. Mais là, c'est plus une notion d'être au contact du mort. Hein. Donc, c'est juste pour vous montrer ce que je voulais montrer dans cette étude, c'est que voilà quelque chose que Dieu a donné, quelque chose qui est très importante. C'était la purification par rapport à moi et qui a complètement changé. Nous n'avons pas d'informations euh, bibliques euh, pour l'histoire du temple de Salomon, ni sous Esdras, mais certainement il y a eu beaucoup plus de vaches rousses qui ont été tuées. Alors, toujours dans les textes, hein, sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on trouve Il est dit que la neuvième vache, Ismaël, fils de Piabi, Cohen Gadol, donc grand prêtre de l'époque, fin du Second Temple, en brûla une également. Les cendres de cette vache rousse servirent à la purification durant plusieurs siècles. Alors c'est comme ça qu'ils l'expliquent, ils disent qu'ils ont tué cette vache et ça a pu servir même dans les années 1327. Mais comment une vache, si vraiment on utilise la vache pour purifier la personne qui était au contact du mort, comment cela peut être possible? à vous le voir, connu sous le nom de Roche, qui fut l'un des plus grands commentateurs de, du Talmud, écrit que pendant la période Amorite, donc dans les années 300-400 après la destruction du Second Temple, donc du, temple euh, du Second Temple, les cendres de la vache rousse d'Ismaël, fils de Piabi, étaient encore utilisés. Donc toujours selon Mémomide, donc je vous ai mis le site. Ils disent que le Messie lui-même pourrait officier la cérémonie de la dixième vache rousse. Hélène Wett nous dit il en est qui considèrent ce sacrifice de la vache rousse comme une cérémonie sans signification. Mais il était fait sur le commandement de Dieu et avait un sens profond qu'il a gardé encore aujourd'hui. Mais malheureusement, je pense qu'on n'a pas tous compris ce sens. Elle nous dit Le prêtre prenait le cèdre et l'hysope et les trempait dans l'eau pure pour en asperger ce qui était impur. Tout ce que possède ce dernier doit être consacré, non seulement son âme, mais sa famille, ses serviteurs, ses propriétés et tout ce qui lui appartenait. Et c'était vraiment important parce que c'était une notion de purification, cette notion qui a été complètement perdue. Après que la tente avait été aspergé par l'isop, on écrivait sur la porte de ceux qui avaient été purifiés je ne m'appartiens plus seigneur je suis à toi. Donc c'était vraiment un rite très particulier, une offrande, un sacrifice obligatoire, le sacrifice de la vache rousse. Et c'était de dire à Dieu je t'appartiens. Je ne m'appartiens plus seigneur je suis à toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, ce sujet a beaucoup été agité. Et puisque ça tombait vraiment au même moment où nous sommes en train de présenter le sujet du sanctuaire, nous avons jugé utile de, de mettre euh, cette étude également dans l'enregistrement. Parce que la vache rousse, comme Hélène White nous dit, c'est un sujet très très important. C'est un sacrifice très important. Et où le peuple se reconsacrait et disait à l'Éternel Je ne m'appartiens plus, Seigneur, je suis à toi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier, te dire merci encore et encore, parce que nous ne cessons d'apprendre de toi. La tradition a mis tellement de choses sur ce que tu voulais. Et Seigneur, nous comprenons de plus, de mieux en mieux comment, quand tu es venu dans ton temple, on ne t'a pas reconnu, on ne t'a pas compris. Tu voulais montrer l'horreur du péché et tu as placé toute une structure, toute une organisation afin de vivre parmi ton peuple. Mais ton peuple s'en est vraiment éloigné. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous encore et encore. Et permets-nous de vraiment le bien comprendre le sanctuaire afin de faire des applications justes. Te demandons ces grâces, ces supplications, alors que nous continuons à étudier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.